Tout le monde désire avoir de beaux cheveux, mais de plus en plus de gens souffrent d'une perte de cheveux et d'une croissance de cheveux retardés à cause du stress ou des modes de vie malsains. Cependant, vous n'avez pas besoin de vous sentir déprimé parce que vous pouvez arrêter la perte de cheveux et faire pousser les cheveux plus vite. Reste un remède simple à la maison. Il suffit de pulvériser ce mélange sur vos cheveux en faisant pousser les cheveux plus vite, plus épais et plus fort dans un coton. Vous pouvez avoir cherché de nombreuses façons de faire pousser des cheveux et vous savez peut-être que le traitement de pousse des cheveux ou des produits sont généralement assez coûteux, mais ce mélange de pousse des cheveux est très bon massé et vous pouvez totalement le faire à la maison. Pour vous assurer que vos cheveux poussent plus vite et plus épais, regardez cette vidéo jusqu'à la fin car nous vous apprenons un pouvoir. Il fera pousser vos cheveux très vite. Avant de commencer la recette, veuillez nous donner votre adresse et laissez toutes les questions dans la section commentaire si vous avez besoin d'aide avec des problèmes de cheveux ou d'autres problèmes de santé. Nous vous donnerons des conseils et vous fournirons des recettes naturelles pour vos problèmes dans les prochaines vidéos. Ensuite, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche de notification au côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Voici comment faire ce mélange de pousse des cheveux. Tout d'abord, vous devez préparer des carottes et couper-les en petits morceaux. Vous n'avez pas besoin d'éplucher les carottes pour obtenir tous leurs nutriments à vos cheveux. Il suffit de les nettoyer avant de les couper. Ensuite, mettez tous les morceaux de carottes dans un mélangeur. Les carottes sont largement connues pour améliorer l'épaisseur des cheveux et favoriser la pousse. Ils contiennent de la vitamine C et de la vitamine E. Les vitamines améliorent la circulation sanguine sur le cuir chevelu. Cela aide à stimuler la pousse des cheveux en fournissant une alimentation appropriée pour les follicules pileux et les racines. On a constaté que les carottes avaient des propriétés antibactériennes et antifongiques. Ils aident à combattre les infections bactériennes ou fongiques sur le cuir chevelu et de garder le cuir chevelu sain et propre. Les carottes aident également un produit du sébum sur le cuir chevelu, ce qui empêche les cheveux de se dessécher et de se briser. Ensuite, nous devons combiner les carottes avec l'aloe vera pour doubler la pousse des cheveux. Parce que l'aloe vera a un niveau de pH similaire à celui de votre cuir chevelu et des cheveux, ce qui le rend plus sûr à utiliser que la plupart des produits de soins capitaux disponibles dans le commerce. L'aloe vera favorise la pousse saine des cheveux grâce à une enzyme spéciale appelée enzyme protéolytique. Ces enzymes décomposent les cellules mortes de la peau sur le cuir chevelu qui peuvent obstruer les follicules pileux. Si vos follicules pileux sont bloqués avec un excès de sébum, de saleté ou de peau morte, ils ne seront pas en mesure de croître correctement. L'aloe vera peut également aider à nettoyer le cuir chevelu afin que plus de nutriments peuvent pénétrer dans le follicule pileux, aider les cheveux à croître plus vite et plus efficacement. Coupez un morceau d'aloe vera, environ 50 g, et enlevez la couche verte. Vous obtiendrez environ 3 cuillères à soupe de gène d'aloe vera. Mettez le gel dans le mélangeur avec les carottes. Enfin, ajoutez 50 ml d'eau. Faites fonctionner le mélangeur et mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient emburés. Laissez le mélange emburé dans une passoire ou une toile à fromage pour filtrer le jus.
Prenez un vaporisateur propre et versez le jus dedans. Vous pouvez garder ce spray de bouche de cheveux dans le réfrigérateur pendant une semaine. Comment utiliser ce mélange pour faire boucher les cheveux plus vite? Vaporisez le jus sur votre cuir chevelu. Vous pouvez également pulvériser vos cheveux si désiré. Massez doucement le cuir chevelu du bout des doigts. Vous devriez masser vos cheveux pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez attendre 4 minutes et le rincer à l'eau. Au bout d'un meilleur résultat, laissez le jus dans vos cheveux pendant la nuit et lavez-le le lendemain matin. Appliquez ce remède de croissance de cheveux au moins 2 fois par semaine. Si vous voulez boucher les cheveux plus rapidement, faites-le plus fréquemment. Enfin, comme nous l'avons dit lors de la première partie de cette vidéo, voici un conseil pour faire boucher vos cheveux très vite. Coupez régulièrement les extrémités de vos cheveux toutes les 6 à 8 semaines.